Didier Parigo belge, quelle est Oui. ton histoire avec la bande dessinée taïwanaise, de quand elle remonte? Elle remonte à la fin des années 90, c'est-à-dire à un moment où le manga prend son envol en France et où je me dis, mais tiens, il y a autre chose que les Japonais en Asie. Et donc, du coup, je repère qu'il y a une école importante de bande dessinée à Hong Kong, notamment, et partout ailleurs en Asie. Et donc, j'ai commencé à publier des bandes dessinées hongkongaises. Et puis, grâce à mes amis d'Hong Kong, qui participaient à des réunions internationales, enfin inter-Asie entre auteurs, j'ai participé à deux de ces réunions. Et j'ai pu faire la rencontre de la plupart des créateurs d'Asie, hein, y compris de Thaïlande, du Vietnam, etc. Et notamment, j'ai croisé des auteurs de Taïwan que j'ai eu aussi l'occasion de revoir plus tard. Et puis, je dois dire que la venue en France aussi de Li Qinlin, a été un élément qui m'a permis de ressouder, je puis dire, mes liens avec Taïwan, et depuis, ne se sont jamais, ils se sont jamais distendus, d'autant que, grâce notamment à son Excellence Michel Qinglonglu, qui était le représentant de la République de Taïwan, et qui a beaucoup fait pour une présence de Taïwan à Angoulême. Depuis plusieurs années, à Angoulême, on peut rencontrer les auteurs taïwanais et c'est une excellente politique. Il m'a frappé à l'époque où c'était M. Michel Qinglonglu qui était le représentant, c'est qu'il n'hésitait pas à faire du spectacle pour faire la promotion de la bande dessinée taïwanaise. Et tous les participants d'Angoulême se souviennent d'un petit théâtre de marionnettes qu'il avait installé sur le tréteau de la remise des prix d'Angoulême. C'était à la fois très distrayant, très étonnant, et je pense une très bonne communication, très positive pour la bande dessinée taïwanaise. On se rappelle effectivement de ces interventions. On va regarder un documentaire à propos d'un dessinateur tout à fait contemporain, puisqu'il s'agit de Li Lungqie, dessinateur d'une bande dessinée, d'un roman graphique historique, mais comme on va le voir, peut-être pas si historique que ça.1661国姓来写这本书，简单来说，它是讲的是以荷兰人的角度去描述，荷兰人与郑成功之间的战争。对我来说，以荷兰人为角度的理由，其实很简单纯，就是因为有趣。因为我们过去其实郑成功他因为很多历史上的一些很多原因，或是台湾史上的各个政权的各种政治目的或等等，它其实大部分都是被塑造成民族英雄的形象。因为当时荷兰人留下很多文献，其实就很单纯，它就是以日记的形式，有什么事情就记载什么事情，包含他们对国姓也我们所不知道的性格。虽然说当时荷兰人是我们所谓的殖民者，以当时荷兰人他们的立场看待国姓爷的攻打台湾，其实还反而比较接近现在台湾人的处境。对，包含因为台湾现在在国际上也是有很多的困难的地方。那我会觉得说，其实，在当时来讲，有些他们当时他们很多事件，其实与我们现在这个土地上的一些情景，其实反而是比较相似的。改编成影像，它可能的样子，我如果要举例的话，会举像《三百壮士》这个作品。
三百壮士他其实并不是一个单纯为了拍摄历史故事 而完成的东西，他其实也是改编自漫画，所以说他完成之后的作品他们不需要太在意史实的东西，而是他就是以一个具有漫画语言 的方式去表现出来的电影。这个作品当时对我来说就是我目前为止投入最大最多力气的一个漫画作品。那如果说今天不管是一个想要拍摄戏剧的导演或是编剧者，如果他们也认同说这个历史传承的这个部分的话，也许他们可以尝试把这个题材拍成电影或是动画吧。那当然这当中会有非常高的难度，但是我是觉得说有时候创作者总是要选择比较困难 的道路，然后你的创作才会变得有价值。Retour à Paris. Didier, quand Li Longqian fait une allusion au présent, est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire entre l'histoire du pirate Koxinga qui a plus ou moins créé Taïwan et la situation actuelle? Oui, je comprends, parce que Taïwan est complètement isolé aujourd'hui d'un point de vue diplomatique du fait d'un encombrant voisin. Et effectivement, en se mettant du point de vue hollandais, il découvre un Taïwan qui n'est pas exactement celui qui est aujourd'hui, mais les situations politiques en fait sont toujours les mêmes. Bien. Alors, à ce stade, comme précédemment, vous êtes les bienvenus pour poser vos questions. Koxinga Z de Li Longqian, pour l'instant, n'est pas publié en français. Il n'y a pas de projet de publication. En revanche, chose curieuse, Li Longqian, lui, va être publié au mois de janvier par le biais des éditions Nazca, par une histoire très, très insolite qui s'appelle Ichthyophobia, qui est un roman graphique entier d'une centaine de pages entièrement muet, dans lequel il exprime sa peur des poissons. C'est extrêmement insolite. Et donc, enfin, on va pouvoir voir Li Longqian plus ou moins en français, puisqu'il s'agit d'une histoire muette. Ça te surprend que Koxinga Z n'ait pas trouvé de preneur, que ce soit en France ou même du côté de la Belgique néerlandophone ou du côté des Pays-Bas? C'est un peu surprenant. Je suis vraiment étonné que les Hollandais ne soient pas intéressés à cette histoire. Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le médiateur qu'il fallait. Je pense que c'est juste une question de chance, en fait. Parce que les Hollandais sont quand même très intéressés par leur propre histoire. Et là, c'est une histoire qui se passe justement au moment où les Indes néerlandaises, la compagnie des Indes néerlandaises est vraiment très puissante. Hein. La Hollande est vraiment une des premières puissances maritimes du monde. Ça m'étonnerait que les Hollandais ne s'y intéressent pas, d'autant que le graphisme n'est pas proprement asiatique, si je puis dire. Il est un peu international, il est pas très loin finalement des codes de la bande dessinée franco-belge. Il est vraiment entre le manga et la ligne claire, Lilong, dans son... Absolument, et puis surtout il y a une précision dans la documentation qui est un peu celle de Bob Demore, quoi, donc, qui est l'assistant d'Hergé, qui a fait lui-même des histoires maritimes qui se passent dans le contexte des Indes néerlandaises. Moi, je pense que c'est parce que le chemin n'a pas été trouvé. C'est un peu compliqué parfois pour les Taïwanais de comprendre les spécificités
du marché européen, d'autant qu'il est complètement, comment dirais-je, morcelé. On ne distribue pas de la même façon les bandes dessinées en Hollande qu'en France. En France, la librairie est très présente. En Hollande, c'est plutôt le kiosque qui est le lieu privilégié de diffusion de la bande dessinée. Donc, à mon avis, il doit y avoir un moyen de le publier en Hollande sans trop problème, à mon avis. Je recommande en fait peut-être la délégation de Taïwan d'aller à... Chaque année, au mois de septembre, il y a ce qu'on appelle les trois jours d'Harlem, les trois jours de la bande dessinée d'Harlem, qui est le Angoulême hollandais. Et je pense que non seulement vous pourriez être présent, mais faire peut-être même une animation, un petit événement autour de ce projet chez les Hollandais. Et à mon avis, ça devrait aboutir. Je pense que le message passe du côté du centre culturel. La question qui se pose dans tes fréquentations avec les différents auteurs taïwanais, est-ce que Li Lung est le seul, et je suppose qu'il n'est pas le seul, à tenter de répondre à cette question, qu'est-ce que Taïwan ? Mais surtout, oui, bien sûr, ils ne tentent pas. Moi, je pense qu'il y a des vraies réponses et je pense notamment à… Je regarde mes notes parce que les noms sont toujours un peu difficiles pour moi. Mais Rao Long Chiu, qui a fait Cédric Ball, je ne sais pas comment on prononce ça, qui a été publié en France par Akata, si je me souviens bien. Il nous a fait découvrir justement un Taïwan qu'on ignorait, c'est-à-dire vu d'Europe, pour n'importe qui, les Taïwanais ressemblent à n'importe quel Asiatique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a déjà à l'intérieur de Taïwan, il y a différentes populations de différentes origines qui ont chacune leur histoire. Et tout ça fait une espèce de melting pot très riche, très intéressant, dans lequel il y a des histoires absolument incroyables. Et pour avoir rencontré les différents artistes, on voit les photos ici où je me trouve avec l'ami Roland Chiu. Pour les avoir rencontrés, je veux dire que ces gens-là travaillent exactement comme les artistes européens, avec les mêmes préoccupations. Et je pense que justement, le fait qu'ils changent de décor et d'univers et de culture aussi, je pense que c'est très enrichissant pour les lecteurs français. Et que je pense que là, par exemple, Zedig Ball, c'est un très bon livre. C'est un livre qui a une portée universelle, qui est taïwanais, mais qui a une portée universelle, puisque c'est la question centrale des minorités au sein de n'importe quel pays, et comment ils sont gérés, comment ils vivent leur identité, comment ils racontent leur histoire. Et comment ils peuvent être bien révoltés. Absolument. La révolte n'étant jamais que l'expression ultime d'une identité. C'est Astérix, quoi. Toute la Gaule est occupée sauf un village qui se révolte. C'est Dick Ball, c'est Astérix dans un autre registre, mais donc une valeur universelle. Alors, justement, réaction de Camille Mercier des éditions Nazca, Ichthyophobia sera juste le premier titre qu'on fera de Li Lung Chie. Entre parenthèses, on était super fan. On aime bien sûr énormément Code Singa Z et d'autres séries taïwanaises. Affaire à suivre. Alors, pour en venir dans notre sujet de cette place de la bande dessinée dans la politique culturelle taïwanaise, nous, vu d'Europe francophone, on le voit manifestement chaque année au Festival d'Angoulême, où le pavillon taïwanais regorge d'auteurs, de surprises, d'événements. Et oui, et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des échanges qui se font, notamment grâce aux résidences d'auteurs.
qui sont évidemment ouvertes à des candidatures taïwanaises. Oui, ça, on en parlera demain. Une ambassadrice comme Li Qinlin, c'est pas anodin. Elle joue un rôle extrêmement important de mise en relation, de mise en compréhension des réalités taïwanaises, notamment avec son livre Formose. Tout ça est nécessaire pour qu'on puisse comprendre quel est le background de la culture taïwanaise et que on puisse s'y intéresser. C'est un chemin qui peut prendre du temps, mais qui va aller en s'accentuant. Les auteurs taïwanais en France, c'est pas nouveau, ça fait déjà une dizaine d'années maintenant. Je me souviens par exemple de l'épée d'Ami de Iron Chen Nguyen, de plein d'autres publications. Franchement, moi, je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à maintenir la qualité des échanges et faire en sorte qu'on repère tout simplement que les auteurs taïwanais soient dans notre radar. Et donc, ça implique aussi un travail constant du côté des autorités taïwanaises pour aider leurs auteurs à venir jusqu'à nous et à se faire connaître. Alors, justement, à Taïwan, qu'est-ce qui se passe? Il y a cet événement annuel qui s'est déroulé il y a quelques jours, hein, en 2020, qui s'appelle les Golden Comic Awards, qui est un peu les Césars de la bande dessinée taïwanaise. C'est vraiment des Césars dans la mesure où c'est filmé et c'est diffusé sur les chaînes télé taïwanaises. On n'a même pas ça en France. Enfin, je veux dire, la cérémonie d'Angoulême n'a pas droit aux télévisions nationales. Elle n'est pas produite par une chaîne nationale. Et donc, c'est une grande chance. Et puis surtout, c'est extrêmement pro. Comme festival, j'ai participé à des tables rondes. J'ai également rencontré des gens qui étaient très au fait des nouvelles technologies de communication. Et tout ça est très 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 professionnel. Je pense que c'est une très belle manifestation. Et puis surtout, elle est soutenue au plus haut niveau de l'État. J'avoue que oui. C'est assez impressionnant de voir… Là tu es en discussion avec Madame la ministre de la Culture. Absolument, qui parle parfaitement le français, mais vraiment parfaitement, sans aucun accent. Elle a fait ses études en France, à Paris, à la Sorbonne. Et donc, effectivement, j'étais en train de lui expliquer que la bande dessinée, c'est une politique en soi. Les Asiatiques ne l'ignorent pas. Hein. Par exemple, les Japonais organisent chaque année des rencontres. Chaque fois que leur ministre de l'économie se déplace en Corée ou en Chine, il y a toujours des éditeurs de bande dessinée japonais qui accompagnent la délégation économique japonaise. Donc, c'est important que les politiques se rendent compte que c'est du business. Une bande dessinée, c'est un slogan qui appartient à un grand groupe français. C'est aussi un film, c'est aussi un jeu vidéo. Et donc c'est une industrie. C'est un ensemble dans le soft power aussi. Exactement, c'est une industrie comme le cinéma. Hein, c'est Malraux qui disait que le cinéma était un art mais aussi une industrie. Eh bien, c'est la même chose. Il ne faut pas que ça soit complètement industriel, sinon ça devient un peu surfait, un peu comme les super-héros américains qui nous envahissent toutes les saisons et où ça commence à devenir lassant. Moi, j'étais absolument bluffé de voir à un certain moment de la cérémonie des gardes du corps qui entraient dans la salle, qui faisaient barrage et cortège à la présidente. Tsai Ing-wen. Voilà, je dois toujours lire mes notes pour prononcer les noms correctement.
qui non seulement est venu chercher, est venu donner un prix à un vieil auteur de bande dessinée qu'elle avait lu dans les années 60 et qui était trop fatigué, trop malade pour venir. C'est sa veuve qui est venue chercher le prix. Et j'ai vu la présidente se rappeler avec émotion de ses lectures de jeunesse. C'est pas trop ce qui se passerait en France. Et en même temps, elle a annoncé ce jour-là qu'elle était favorable à la création d'un musée de la bande dessinée à Taïwan, ce qui évidemment m'a fait tendre l'oreille parce que je suis moi-même sur des projets de musée en Belgique et commissaire d'exposition. Et donc, c'est très surprenant de voir ça. Et là où je voudrais être un peu insistant, c'est que la partie patrimoniale, la partie artistique est très importante, mais il faut absolument, et ça Angoulême y réussit, et c'est un modèle qu'on peut suivre, il faut absolument créer un tissu économique comme Angoulême appelle ça la vallée des images. À Angoulême, on n'a pas seulement un festival et un musée, on a également des studios de dessin animé, on a l'école nationale du jeu vidéo, il y a l'école européenne de dizaines d'écoles, et ce sont des filières qui permettent de former les jeunes gens aux différents métiers de l'image, sachant qu'aujourd'hui, aucun auteur, et j'ai rencontré à Taïwan des auteurs qui étaient également sur ce même genre de disposition. Quand on voit quelqu'un comme Johan Sfar, qui est à la fois cinéaste, romancier, auteur de dessins animés. On va essayer de rester sur la bande dessinée taïwanaise quand même. Oui, mais je veux dire par là que ce modèle économique-là n'est pas encore complètement existant à Taïwan, et je pense que c'est un bon, c'est une bonne voie, et les Taïwanais peuvent le faire très rapidement, en fait. Alors, petite précision, la photo que vous voyez ici à droite n'a pas été prise pendant les Golden Comic Awards, mais pendant la campagne pour les élections législatives l'année dernière, à Taïwan, où une candidate du parti de Madame Tsai s'est présentée en cosplayeuse et a d'ailleurs est devenue la plus jeune députée de Taïwan. C'est pas surprenant. C'est aussi un exemple de l'ouverture par rapport à la bande dessinée. C'est pas surprenant, en Corée, par exemple, un cosplayer de 60 ans est devenu ministre. Donc, c'est des choses qui arrivent et qui sont normales, en fait. Il n'y a qu'en Europe qu'on s'offusquerait de ce genre de choses. Alors, tu t'es également rendu au festival de Taichung. Oui. À quoi ça ressemble un festival de bande dessinée à Taïwan? En tout cas, celui-là ressemble à un petit festival de la bande dessinée indépendante comme on peut en avoir chez nous, c'est-à-dire des stands avec des espèces de fanzines, des éditions, des estampes de bonne qualité, mais c'est très petit en fait. C'est ce que mon ami Paul Gravette appellerait un baby festival. Mais en même temps, là aussi, j'étais assez agréablement surpris de voir qu'on pouvait dialoguer directement avec des auteurs qui sont vraiment dans la demande de faire des échanges avec la France et avec l'Europe. Et puis, j'ai rencontré le maire de la ville qui soutenait cet événement, et un événement qui n'était pas uniquement taïwanais, parce qu'on est entre guillemets en province, c'est pas la capitale Taipei, c'est une ville de seconde importance, et les voilà que là on voit sur l'affiche qui est là, l'œil exercé peut le décrypter, c'est une affiche qui est de Brecht Evans, le dessinateur flamand Brecht Evans, qui est une petite star de la bande dessinée indépendante française, et qu'on retrouve là-bas, à Taichung, sur une grande affiche dans ce petit festival.
En tout cas, la politique de promotion de la bande dessinée de Taïwan en France, elle porte ses fruits, puisque, comme on le disait, dans les mois qui viennent, il y a quatre bandes dessinées taïwanaises qui vont être publiées en français. Chen Wen avec des assassins, dont on vous a parlé tout à l'heure, aux éditions Patayo. Toi et moi, Le jour de la grande catastrophe, qui est plutôt une bande dessinée expérimentale d'humour aux éditions IMHO, Ichthyophobia, dont on vous a un peu présenté tout à l'heure, et puis For the Time Being par Chen Peixu, qui est plutôt un roman graphique, un recueil de nouvelles urbaines. Donc des choses arrivent, et justement il y a une question de la part de Camille Mercier, éditeur chez NASCAR, qui nous dit: ce n'est pas le cas actuellement de la part de Taïwan, mais quand un art est un instrument du soft power, on peut craindre d'avoir des récits formatés, voire idéologiques. Comment Taïwan fait pour assurer un développement artistique exempt de ces risques ou de ces problématiques? C'est moi qui dois répondre, notamment. Moi, je n'ai pas vu jusqu'à présent, mais je me trompe peut-être, de ce type de récit formaté. On l'est toujours un peu, on n'est jamais que l'enfant de sa propre culture. Mais je conjure les autorités taïwanaises de ne surtout pas faire ça. Il faut laisser la liberté aux auteurs. Ce week-end, j'étais à Nérac où il y avait le dessinateur Flock qui disait une chose très juste. Nous, les artistes, nous sommes des somnambules. Il ne faut pas nous éveiller. Franchement, c'est la dernière chose à faire. Il faut au contraire laisser la liberté aux artistes de s'exprimer, d'exprimer leur créativité, leur intelligence, leur beauté. L'album là qui est à droite, que cette nouveauté, c'est quoi? Chen Wen des assassins. À droite. Oui, c'est For the Time Being, c'est le titre traduit en anglais. Il va être publié aux éditions Actes Sud. C'est magnifique, en fait, cette couverture est extraordinaire, elle est d'une grande beauté. Et donc, le soft power, c'est l'art et la beauté, c'est pas le propos idéologique. Je pense que… Je pense qu'il y a un contre-exemple repoussoir un peu en face, hein, par le grand voisin encombrant, de la bande dessinée idéologique, il y en a beaucoup, parfois extrêmement bien dessinée, mais absolument impubliable en France. C'est ça, leur soft power est totalement inopérant pour le coup. Je pense qu'ils n'ont pas compris, et ils n'ont pas compris qu'il faut laisser la liberté aux artistes, et que ça, Taïwan sait le faire. Et donc je pense que dans le domaine du soft power, Taïwan gagne plus de points que le grand voisin pour le moment, quoi. Moi, je suis pour la concorde, mais je pense que ce qui est important pour les auteurs taïwanais, c'est qu'ils comprennent bien que ce qui nous intéresse français, ce sont des valeurs universelles. Parce que si l'histoire est trop taïwanaise et parle trop du contenu politique de Taïwan, enfin, c'est comme si nous, on faisait des bandes dessinées pour expliquer Macron aux Taïwanais, ce serait ridicule. En revanche, quand on est dans le registre historique, comme c'est le cas pour Hao Longqiu ou pour Ling Lungqie, qui explique l'histoire de Taïwan, là on est dans la culture et on est prêt à comprendre les tenants et les aboutissants, sans même qu'il y ait besoin de tenir un discours politique ou idéologique. Eh bien, merci Didier de tous ces éclairages. À la fin de chaque webinaire, il y a un livre de bande dessinée taïwanaise à gagner. Et donc là, ce sera pour le sixième courriel que nous recevrons pour toi et moi, une autre bande dessinée qui sera publiée très bientôt, qui, je crois, est partie chez l'imprimeur hier et qui doit être arrivée en librairie au mois de novembre de cette année. Donc,
Toi et moi, le jour de la grande catastrophe de Pam Pam Liu, qui est une œuvre d'humour. Chez quel éditeur? Alors, c'est chez IMHO. J'en profite pour saluer Benoît Morère, qui nous regarde peut-être. Un courriel, un petit mail à 9ar.taiwan@gmail.com, préciser toi et moi en intitulé. Merci Didier, merci à vous de votre présence. On se retrouve demain à l'heure habituelle, hein, qui va être l'heure quasiment de tous ces webinaires cette semaine, donc à 11h, pour parler de la filière taïwanaise, des créateurs taïwanais et des institutions françaises. Nous serons avec Fabrice Douard, qui est éditeur au Musée du Louvre, et avec Pili Munoz, directrice de la Maison des auteurs à Angoulême. Et on en profitera justement pour regarder un documentaire sur cette Maison des auteurs et des auteurs taïwanais en résidence. Eh bien, à demain. Merci beaucoup. À bientôt.